Je vais vous expliquer comment insérer une vidéo à l'intérieur d'une page. Donc, pour débuter, je vais faire l'activité page. Ça peut être tout type d'activité ou ressources de Moodle. Ça s'applique dans tous les cas. Je vais utiliser l'éditeur de contenu. Ensuite, je vais placer en pleine largeur une vidéo, comme ceci. On voit ici une vidéo par défaut qui est offerte avec l'identifiant. Donc, la méthode pour insérer la vidéo, c'est évidemment ici d'aller sur YouTube, sur votre propre chaîne, je vous le recommande, ou une chaîne comme par exemple celle de AlloProf, de choisir la vidéo qui nous intéresse. Donc, peu importe la vidéo choisie, là, disons celle-ci. Et aller chercher ici, après le égal, c'est l'identifiant, le code que nous avons besoin. Donc, je vais le copier. Et je vais revenir ici à mon éditeur. Et je vais tout simplement substituer l'identifiant. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet identifiant-là est placé, mais aussi il y a une extension qui s'ajoute à cet identifiant, c'est-à-dire la fameuse fin de l'URL qui termine avec RL égale 0, ce qui signifie ça qu'à la fin de la vidéo, on va aller vérifier ensemble, donc test YouTube, à la fin de la vidéo, donc, on aura, à la toute fin, les vidéos de la chaîne qui seront offertes. Donc, ça arrive dans quelques instants. Voilà. Donc, s'il s'agit de votre chaîne, bien, vous verrez alors à la fin de la vidéo les vidéos proposées qui seront celles de votre chaîne. Voilà.